là j'ai très très peur. Ah non, j'ai pas le bouton pour la richesse, fais chier. C'est bien que c'est un petit peu avancé, ça. Ouais. Je l'ai remis à 52,4. Ah oui, c'est décalé, putain. Non, je peux rien faire, j'ai testé toutes les touches. C'est pas que je contrôle que t'as mis à 2. T'inquiète, tout ce que tu vois c'est décalé, c'est déjà remis. Je suis descendu à 110,2. J'essaie d'appliquer ce qu'on dit à Annie. À plat, c'est 110 tout rond. Oui. Le carburant il se met à jour partout, il se met pas constamment à jour. Non, bref. Tous les 5 tournent. Fais gaffe, t'as tapé à l'arrière à gauche. Quoi? Alors c'était un lag, mais j'ai entendu le crrr. Ah, ça m'a fait le bruit du coup. Regarde si j'ai un off-track, mais un contact, mais j'ai rien moi. J'ai rien eu du tout moi. Je vois rien sur la voiture. Tu sais, j'ai vraiment entendu le bruit comme si je touchais. Alors c'était le mec des derrière, je sais pas. Ah ouais, c'était le mec des derrière. Oui, des fois t'entends taper, mais c'est à l'autre bout du circuit. Ouais, c'est pour ça. Il y a 110 à mettre. Ouais. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Il ouais. Y a 110 dans le réservoir et là j'ai besoin de 108 pour finir. Non, t'inquiète. Je suis en 2,9. Je fais un peu de lift, mais ça passe. Très bien. Leader box. Ouais. Il reste 19 tours, 49 tours à faire. C'est ce qu'ils ont aucun dégât. Le 7 va jouer un station dash, hein, ça va être. Je vois que ça. Hein. 106 litres. Nickel.
Alors là, je crouse le bras sur la, la portière, c'est catastrophique. Le 7ème s'arrête. Ah ! Ça veut dire qu'ils vont devoir encore faire un arrêt. Et pas nous. À moi qui consomme vraiment pas beaucoup, mais... Je sais pas, on va voir s'il faut la réparation aussi. Ah ! Ah ! Ah ! On va ralentir, les pneus refroidissent, hein. Je change de pilote. Il faut monter Michael Delaney comme dans le film Le Mans. Il va gagner. Je suis fatigué, m'en voulez pas. T'inquiète. Je dis vague. Vague. Je suis en troisième dans Skyline, genre... Ah, vas-y, on voit là plus rien. Je dis pas ça, il y a des gens. Hein, des gens. Bah là, je suis à 106 litres. Si je me suis bien débrouillé, je peux être à 104, donc je peux prendre un rythme normal. Là, il me reste 48 tours à faire dans la course. Et j'aurais besoin de 100 litres, 106 litres. Je te dis quoi quand je passe la ligne, quand ce sera à jour. Ouais, ouais. Mais à mon avis, comme tu dis, on va pas prendre le risque, on va mettre 110. Et puis, ils repartent les 7e. Ils ont pas fait de réparation. On a peut-être... Donc on a bien fait de pas t'obliger à faire les 2 heures si t'avais pas... Forcément la niaque. Par contre, il va falloir une dernière heure, nickel, hein. Faut tout donner, hein. Ah, je vais essayer. Allez, ça va d'aller, ouais. Gère bien ta fatigue, dis-toi que t'as qu'une heure sur deux à faire. Ah, mais je vais y aller, hein, franchement. Ça s'appelle une erreur. Deux. C'est mon doigt qui est tombé sur la palette et j'ai monté deux vitesses. Tellement sensible. Ah, t'es que deux. Allez, 105,5 au niveau du carburant. Tu mettais 110. Ouais, on est ils sont obligés de s'arrêter. Ils sont obligés en plus. Bah oui, bien sûr. Il y a une demi-heure de trop pour eux. En plus, le mec a repris la voiture qui était cassée. C'est horrible ce que je vais dire, mais la seule chance qu'on aurait éventuellement de passer devant eux, c'est qu'ils tapent à plus de 8 tours de l'arrivée. Ils seront classés devant. Logiquement. Ils auront ouvert plus de distance que nous. Yep. Hop là. Je suis passé dans l'herbe. Là, je commence à les sentir. Hein. Ah non, je suis franchement fatigué, ça. Oula, ouais, il est en dérive totale le 7. Il va sur les vibreurs et tout. Il va dans l'herbe. Attention, il peut avoir un grand nombre de off-track aussi, hein. Non, non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, enfin, c'est pas 40. J'ai vu accident, nos limites, je sais pas quoi. Ah, j'avais entendu 40, moi. Pas les bonnes infos. Ouais, marrant. Il y a un truc qui me perturbe, c'est à côté de nous, il est marqué Equiz, NCC. Toi, t'as 4. J'entends rien. Vas-y. Non. Je dis, quand je vais dans Entries, il y a un truc qui est marqué INCS, Equiz, je crois. Et toi, t'es à 14,10 et moi à 4, et je sais pas du tout ce que c'est. Pas le nombre de positions, maintenant. Alors je peux t'informer aussi que si je réattaque, je reprends trop de plus de carburant, je suis remonté à 105,9. Donc il va falloir que pendant ton relais, tu sois très prudent sur ta consommation et tu vas peut-être devoir lâcher. Je te conseille de lâcher avant le premier droit. Ouais. Lâcher un peu plus une fois que tu es à Skyline.
Genre tu descends dans la cuvette, tu lâches, tu réaccélères et puis tu lâches un peu plus tôt une fois que t'as passé la bosse. Tu la laisses descendre vraiment jusqu'à... Voilà, et alors surtout, une fois que t'as passé le droit dans le troisième secteur avant la dernière chicane, là tu la laisses descendre. Donc tu lèves complètement ton pied du frein, de l'accélérateur, et t'as plus qu'à toucher les freins. Okay. Et ça suffit pour pas perdre trop de temps, je tournais en 2.9. Donc je perdais juste 2 secondes, et j'arrivais à sauver quasiment plus d'un demi-litre autour. Pas de soucis. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Après, je passe les vitesses plus tôt, bien sûr, mais... Alors j'ai le troisième devant moi qui est un peu lent. Ça va y prendre la vitesse. Tu reviens même sur le 7ème après. T'es sur moi là? Ouais, il est devant. Regarde, écoute le moteur. Va s'en décaler. Je lâche avant le droit et puis je lâche jusqu'au frein. Ok. Et ça perturbe pas trop le chrono et en fait on économise un petit peu. Le 7ème se fait rattraper par la clique. Il est devant tout le monde, devant toi le 7ème. Ouais, je le vois au bout. 104.5, ça marche. Ok. Allez, 15 tours à faire. Une fois 15, ça fait 30. 1h10, ouais, ça va aller. Je vais lui faire un relais tip top. T'as plus rien à perdre. Voilà, on a pris encore un tour d'avance sur ce derrière. Moi aussi j'ai pas doublé d'ailleurs les lignes. T'as plus qu'à 8 tours. Tu es devant. Le leader est seul dans son tour ou ils sont encore deux? Non, ils sont encore deux. Ah, il est parti. Il a retapé. C'est notre chance. Je te dis sa vitesse de pointe. Ouais, il est ralenti, il se fait doubler. Il se fait doubler par le deuxième. Ah ouais. 230, 240. Faut qu'il rentre, allez. Faut qu'il rentre, pareil, c'est notre seule chance. Le volant, il a l'air assez droit. Il a peut-être retapé de l'autre côté pour remettre droit, ça arrive souvent ça. Merde. Allez, continue, il continue. Hein. Ah, c'est beau une course comme ça jusqu'à la fin. Bien sûr. C'est ça qui fait plaisir. Il se fait attraper par le 3ème et par le 17ème. Le 17ème, espérer qu'il fasse une bêtise. C'est pas 3ème et 13ème que j'ai. Anderlos, il est 13ème chez moi. Je vois pas. Devant moi, j'ai le 13, ah ouais, 13. Le 3 et le 7. Ça. Oh la vache, il se fait. Je vais le taper dans le haut de la montagne, ça va être un bonheur. Quoique. Ah, il laisse passer tout, je pense. Non, même pas, si. Non. Si. Je crois que je vais lift and coast pas mal, moi, dans le... Oh, c'est chaud. Allez, on va chauffer mon poil. J'ai freiné 2 km trop tôt, c'est terrible. Pas grave. Devant il tourne en deux. C'est l'autre là devant, il est de la Nouvelle-Angleterre, je pense, je chante du Laurent Voulzy dans ma tête depuis tout à l'heure. Je te dirais que j'ai déjà sa vitesse de pointe encore, parce que tout à l'heure il a fait. Ah bah là il est en PLS complet, hein, il zigzague.
237, 238. Quand même 250 hein. Ouais mais tu prends 3 dixièmes. Ouf, on va glisser. Ils ont toujours glissé à l'entrée ici. Bah alors, tu dis vibreur comme ça. La pression psychologique. Ah ouais, là, faut lui mettre la max, max de pression. Belle de phare à Google. Pas s'emballer, j'ai une conso à surveiller. Ouh, il a failli glisser. Je crois que je vais le garder bien en visu, faire mon lift à mon aise. Il zigzague, il s'est ouais, ouais. Il va glisser, mais... Il va finir par y aller. Allez. Je fasse gaffe, sinon c'est moi qui vais y aller. Ouais, concentre-toi. Ouais, je m'occupe pas de lui. Je suis sur lui, je te dis si un problème. J'ai le pied sur le frein, t'as pas idée. Je monte à deux pieds dessus s'il y a un problème. Ah, le mur. Sérieux? Ouais, il vient de retaper. Alors, monsieur Delucourt? En fait, il tourne le volant vraiment à l'envers, quoi, pour tourner. Son volant, il doit vraiment... Encore 205. Je suis redescendu à 104. J'aimerais bien te la rendre à 100, ce serait bien. Ça tu peux te racheter. Ah, ça ouais, je peux aller à fond. Et il retape. C'est bien pour nous. Allez, appel de phare. Psychologiquement là, ça y est, c'est la guerre des nerfs. Ce qui va te rendre l'appareil.
T'inquiète, je suis plus rapide en ligne droite. Ah justement, là faudrait qu'il essaie de dessus mais qu'il... malheureusement. Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire. Cravache pour dessus. Je vais dire une connerie, mais si on n'avait pas pensé à faire le plein au moment où j'ai repris la voiture. Il va taper. Non, c'est vrai, il va tuer. Ouais, si on n'avait pas fait le plein, ouais. On n'aurait pas pu la jouer aussi fine, hein. J'aimerais descendre sous les 100 litres, je suis à 127 pour le moment. Oh, ah, j'entends rien. Je dis nickel et très fort encore. Yep. Merde, je suis monté à 103. C'est ce que j'ai dû utiliser pour le dépasser en fait. Ah bah, droit de filet toujours. C'est méchant à dire, mais un moteur, putain. Le bon esprit. Non, c'est clair. Ça, c'est l'esprit qu'on devait avoir avant. Maintenant qu'on est libre, on ne doit plus prêcher la mauvaise parole. Amen. Bon, mon poulet, comment tu te sens pour ton dernier run? Ah bien, là je suis bien. Petit 20 minutes. Faudrait qu'on donne un nom à la bagnole. Histoire de faire plaisir aux fans de Vettel. D'ailleurs dans les commentaires de cette VOD, si vous avez un nom pour la voiture et que vous avez regardé les 12 premières heures déjà du jeu. Ah ouais j'avoue. Mais allez-y hein. On est preneur alors qu'il fait 217 degrés Fahrenheit dans ma voiture, dans mon cockpit, dans mon studio. Je propose un nom, Rambo. Ah. Oh, putain ouais, j'avoue. C'est pas mal. Y'a pas une déesse du combat, un truc comme ça? De la guerre ou un truc comme ça? Xena. Xena. Moi Xena ça me va hein. Qu'elle appelait Lolo. Il y a Athéna. Athéna c'est... Ouais. Moi j'avais Lolo perso. Mais bon c'est une référence des années 80, personne va connaître. Déjà je suis sûr que les deux ils cherchent là. Bah, Lolo Ferrari. Merci Andy, tu nous étales une nouvelle fois ta science voilà. Infuse et ta culture du cinématographe et rien que ça en tête. Alors je tiens à préciser que j'ai pas... J'ai... Ouais. J'ai trouvé...
trouvé la réponse sur le coup, c'est juste que le temps de désactiver mon mute, mais j'avais trouvé tout de suite. C'est terrible. J'ai un nom, mais on va avoir des problèmes. Le 7ème est sorti, le 7ème est sorti. Il y est tapé. C'est méchant, mais... C'est ça le sport moteur auto, cassé. Mec. Moteur rappelle-toi cassé. Rappelle-toi, Porsche et Toyota. Ils sont à l'envers dans Skyline. Je crois qu'ils se mettent sur le côté, ils arrêtent. Non, ils font 8 tours. Et il y a plus que 8 tours de course, hein. Ils s'arrêtent, ils repartent pas. Ils essaient de repartir, en fait. Ils repartent. Et ça a tapé très fort à Skyline à pleine vitesse. Ah ouais, non, c'est... Andy, je te laisse lutter. Ah, parce que moi j'ai plus mis les mains sur Twitter depuis 3 heures. Non. Là, c'est pour ça, je me mets en condition, je... Dis-moi si il boxe, sans crier. Ah, ils vont être obligés, ils vont être obligés. Qu'est-ce qu'il faut que je fais? Ah, le 7ème vient de se cracher à Skyline. Ah, il est tard, quand même. Et on est à 8 tours de... Faut que je fasse un tweet, qu'est-ce qu'il faut que je fais? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah ok, je fais. Faut tweeter que le 4ème, le 7ème il s'est mangé. Et il ne s'arrête pas. T'es sérieux? Mais elle est faite en quoi cette bagnole? Christine! On va l'appeler Christine! C'est ouf. Le rire moqueur et désespéré d'ennui. Oui. Écris le tweet et attends avant d'envoyer. Il s'arrête pas. Ah, il se met sur le côté en ligne droite. Ah mais attends, c'est ouf. Moi j'ai tapé moins que ça et... Toi t'as fait une suspension. Hein. Ah mais là il a tapé le mur de face. À Skyline, mais quand je te dis de face. Ah bah ils vont faire un barbecue. Ah je... Cœur et s'ils arrivent à tourner alors que s'ils font à 2-6 je range mes gants hein. J'ai le deuxième devant moi qui perd un peu de temps, même beaucoup de temps. La vache, en vitesse de pointe il est nulle part le deuxième hein. Ah mais je te dis tout le monde relâche ça. Il reste combien de tours de retard sur le 7ème? 7, 8. Ils ont moins 6, on a moins 14. 8. Et ils refusent de laisser passer le 6ème. Je vais t'annoncer sa vitesse de pointe. Si c'est 250, je m'arrache les cheveux. Bon. Ouais, y'en a pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Putain. Ils sont toujours à 250 en ligne droite. 252. Putain. Ouais. Bon. Concentre-toi, oublie-les, tu vas rouler, tu dois pas les chasser, tu dois les laisser faire. Laisse les choses se faire. Plus ils tapent, pire la voiture sera, plus ils risquent de taper. C'est tout. Le calcul, il est simple. Après, c'est du hasard, c'est du sport auto, c'est un jeu vidéo. Ah oui, c'est bien. C'est juste que c'est... Moins que ça, on a dû être obligé de rentrer au stand.
dans Skyline, c'est la voiture qui fait gauche droite, gauche droite. Préparer l'arrêt ou j'ai besoin de faire quelque chose? Tout est fait. Ça te fait le pare-brise? Tout est fait. Et avec ça, je n'en. Ça, là, prends-moi toi. Allez. Je suis en train de faire ma gymnastique du... la cheville gauche. Ouais. T'es en train de faire la gymnastique du papa qui est sur l'autoroute et qui s'arrête au bout de 2 heures. On a la palavas. Et il sait, bon, pour ce con, je m'arrête toutes les 2 heures. 2-3 squats. Je me traîne, mais d'une vitesse. Je suis une vitesse en dessous à tous les virages. Faut que je te la rende à 100 litres. Pas plus. Et encore, faudra que tu fasses du travail aussi pour économiser. Et on pourra pas te guider à part te dire fais gaffe à l'essence parce que nous on verra pas. De toute façon, vous pensez aussi que tu vas t'arrêter au stand, donc on va moins consommer encore. Avec le pit limiteur et tout. Depuis que je tourne comme ça, je suis à 93 ans. Enfin, j'ai perdu en température de boîte. Ils sont en train de faire chier 3 voitures derrière et ils laissent pas passer. Dont le 4e. La boum boum, hein. Ah moi avec hein, je suis en 2-10 aussi hein. Ah mais lui il a le volant à 90 degrés quoi. Pas abusé. Calme-toi. C'est pas grave. La vie est injuste, elle commence sur iRacing. You got about 5 laps of fuel there. Allez, il me reste 5 tours de fuel. Ça fait 4 fois qu'il manque de la perdre en un tour.
chapeau parce qu'on roulait avec un roulant à 90 degrés, on roulait comme ça. Faut le faire aussi. Tellement de sauver. C'est pas le 7ème ? Non. Si j'arrête Dixon. Je suis à 97 litres. Okay. La Velocity qui essaie de passer les 7ème. 96. Il y a encore 4 tours. T'as 2 tours. Le fuel est passé en mauve. En orange. Mes gants sont des flammes. C'est classe. Ah non. C'est beau. Je suis le Ghost Rider sur la moto. Alors, au pire, on a qu'à l'appeler Daria, la Ferrari. Oh la vache. Il est chaud derrière. Il t'annonce encore 3 tours mais... Il reste 31 tours à faire. Pas 32 tours à faire pour le JRT. 1h08 de course. Il reste 10 litres. Et il en faudrait 95 pour aller au bout.
JRT est devenu vert puis rouge d'un coup. Ah mais c'était peut-être une vie que t'as pas assez pour tout. RS 2,7. Dis-moi à l'avance que je ne peux pas. Attends. Il me reste 2 tours et demi, je peux encore en faire un après. Ok. T'as encore, allez, 2 minutes et demie. Left side. You're there, clear on the left. Got about 2 laps of fuel. À 14,4. Je prends pas de risque, je mets 110. Oh oui. Ah j'ai, attends, j'ai travaillé, je travaille depuis 20 minutes pour que je mette les 110. C'est bon. Ah, tout est... ah t'as appuyé, ça fait 95. Ah merde, oui pardon. Vas-y remets-le, remets-le, remets-le. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je voulais le faire pour être sûr. Bah non, normalement si je fais... Ah non, il me remet juste, mais pas le plein. Bah non, c'est ça. Ah oui, d'accord, pardon. Le JRT calcule pour finir la course. Ok, je rentre à la fin de ce tour. Hein. J'ai plus rien, il me reste 1,8. J'ai plus de temps. Ils doivent encore piter la Mercedes. Ouais, ils ont encore un arrêt, et nous aussi. T'as plus qu'à l'amener au bout. Regarde, j'ai pas fait une seule connerie sur tout mon relais. Et là, bon, attends, elle se pilote bien. On a la confiance, tu la connais. Elle est comme neuve. Tu vas avoir des gommes neuves. Du poids, on est à 2,65 en Vmax. Ça va. Allez, je mets des gommes. Boublou, c'est bien. Nickel. Maintenant je peux te dire, les 2 heures c'était très chaud. C'était très très chaud. La 2e heure était très compliquée niveau concentration. Surtout qu'il fallait faire gaffe au... à l'essence. Au niveau de conso. Okay. Alors, par contre, quand ce sera à moi, un maximum d'infos sur les 7e. Si partant tête à queue, s'il arrive quelque chose... Si... Te bluff. Optional repair, 1/10 de seconde. C'est pas grave, il va se faire quand... Oh. Alors reste prêt au cas où si ça me refait le même coup que tout à l'heure. Hein. Ah bah ouais, tiens. Je suis plus à 1 heure près maintenant. Allez, je passe crew chief. Ah, windshield, dites l'enlever. Ouais, c'est fait. Mes mains sont en feu, les enfants. Senti, dites c'est bon. On a 7 litres en trop. La 7 s'arrête ou je rêve? Non, c'est la 17. Enfin, je sais pas. Dernier pneu. La 7e position est au box devant toi. C'est eux ? Okay. Ouais.
Mercedes rouge. Jared Dixon. Attention au pit limiter. Hein. Vérifie que ce soit bien activé. C'est bon, l'écran est s'allumant. Ah, je suis parti moi déjà. L'écran est s'allumant en vert quand je peux. Écoute, je te propose un truc. Je surveille la 7 et Andy te spot. Ouais, ça marche. Si, c'est possible. Comme vous voulez. On fait ça. À la rigueur, enfin, je fais comme ça, mais faire l'inverse, parce que vu mon état de défonçage, si vous voyez. Ah, enfin, bah ouais. C'est si tu es dans la montagne, aussi bien que je le fais. Tant que je reprenne la voiture en main. Laisse, on fait comme ça, Max. Ok, alors Emeric est dans la ligne droite. Moi, je passe sur Emeric, je le spot. Toi, tu peux aller voir la Mercedes, tu restes dessus. Préviens-nous juste dans la ligne droite, enfin préviens Emeric dans la ligne droite si elle tape, elle s'arrête ou elle fait quoi que ce soit de spécial. Ah, ça marche. Comme ça si tu te déconnectes... Ils sont toujours au pit là de face. Non, ils sont sortis, ils sont devant toi. Ils sont sortis. Ils sont juste devant toi. Je t'indique simplement qu'en haut sur ton JRT conserve un œil sur la couleur au fond de l'essence restante, elle ne doit pas devenir orange, sinon c'est que ça devient compliqué d'aller au bout. Si elle est rose, pas de problème. Ah ouais, ils sont derrière en fait. Ouais.
On a 3 litres d'avance. Wouah, il est fou lui. Alors, tu tournes en 2, 6, 5, excellent chrono, attention à ta consommation. Ouais, je sais pas. La 7ème est en train de perdre du temps, mais pas assez pour nous, donc on continue comme ouais, ça. Non. Prends pas trop de risques dans la montagne et continue, c'est nickel. J'ai changé la radio parce que j'étais toujours pas en... Je suis à 3 litres 5 pour l'instant d'avance. Donc... T'as le 6ème devant toi et il est un petit peu en difficulté. Beaucoup. Right side. Clear. Ah putain, je vais devoir me limiter pour la fin. Je consomme ? Ouais. Je suis à moins 0, moins 0,3. Donc on a encore assez, mais ça va être tout juste. Pour l'instant. Si je vois que ça merdouille, je mets la conso, enfin le moteur au minimum. Comme on n'a rien à perdre, on peut faire un arrêt, splash, rajouter de l'essence, et puis... Alors, vaut mieux faire du Lichin Coast, hein. Lichin ouais. Coast. Oh bah... Un arrêt va nous coûter du temps, quand même.
Ah, 0,7. Et il te reste 50 minutes. Allez, c'est très bien. Dernier tour de 7-2. C'est nickel, faut pas plus, faut pas moins. Ah mais là j'ai baissé le moteur, il est à 7 en map. Tu gagnes beaucoup. Je suis déjà à moins 1-1. C'est bien. T'as vu, je suis combien? 12. Ah, je suis à 12. Oh putain, ouais, à 12, tu t'as plus rien. Je passe même pas la 6. J'ai mis à 5, on verra bien. Comme je vais faire ça avec la souris, c'était pas facile. J'ai de la fumée en face. Je ne vois rien. Il y avait de la fumée sur la droite et j'ai plus rien, ça a disparu. Tu as Arthur Duval devant avec la Ferrari, mais il n'y a personne qui fume. C'est frustrant. J'ai un moins 3 litres.
Ah d'accord, j'ai même plus de frein moteur en fait. Ils ont tapé très fort. Qui? Les 7. Ils ont tapé dans le début de la remontée. Ils sont complètement en crabe. Elle est pliée dans le premier droit. Dans le premier droit, après la montée secteur 1, ils sont arrêtés. C'est fini. Ils sont au box. Alors maintenant, il faut rester concentré. Il faut pas surpiloter. On a de la marge. Ils ont fortement tapé. Donc. J'ai moins 3 litres en avance. Ok. Continue. Je reste comme ça. Continue. Ils ont 7 tours de retard. On en a 15. Andy, tu restes sur eux? Oui. Ok. On va être sacrément loin. Je suis sur eux. Je donne tout ce que j'ai avec... Ne donne pas de trop. Le 5. Non, mais je veux dire... De toute façon, je suis pied à fond, elle bouge pas. Hein, avec le... Okay. Le mixage. Ils ont traîné, elle a pas tourné, ils se sont allés pas. Et ils ont moins 4 litres. 3 fois l'avant et l'arrière. Donc... Ouais. Allez, c'est bien, Emeric. Derrière toi, tu as la Mercedes du 10e qui est très performante, elle est neuve. Donc fais attention, ils reviennent très très vite. Mais il est patient, donc si tu attends dans Skyline, il n'y a pas de problème, ils attendront la fin de la descente. Par contre, c'est horrible, vu que j'ai baissé le mixage, j'ai plus de frein moteur. That's right. So we got a car, 6 seconds, 9 seconds, 15, 21 and 24. Devant toi, tu as la Ferrari de nos amis brésiliens qui est très conciliante. Elle va sans doute te laisser passer facilement, mais derrière, la Mercedes, elle, va pas forcément hésiter à y aller. Elle fait déjà des appels de phare alors qu'elle est encore une seconde derrière toi. Ah, il tourne en 2-4. Ok, d'accord. Ah ouais, ils sont performants. Et toi, tu tournes en 2-6-9. Excellent chrono. Avec le poids. Et le mix. Économiser 4 litres de carburant, on finit avec 4 litres pour l'instant. Très bien. Encore combien de tours sur le 7ème? T'occupe pas, tourne. Ferrari s'est loupé. Clear. T'occupe pas. Non, t'es en retard. Passe left. Car on your left. Clear. Nickel. Je suis à 5 litres d'économiser. Pas trop la Mercedes, elle est quoi qu'il arrive plus rapide. Ouais, même ils me dévendent donc je lâche. Nickel. Chrono parfait. Cinquième au box, mais pour un arrêt de routine. Semble-t-il. Mmh.
Allez, ils sont toujours arrêtés, c'est bien Emeric. Ils sont à 8 tours du leader. Nous sommes à 15 tours du leader. Tu tournes parfaitement, c'est ce qu'il faut. Il reste 40 minutes de course, c'est parfait. Et tu viens de boucler la 300e boucle de l'épreuve. At the finish line, Pat. Allez, mais encore un tour de prix, c'est bien, tu tournes très très fort, 2-7-1, t'es constant, c'est parfait. Je peux tourner plus vite, mais... Tourne comme ça, c'est très bien. Sans le map moteur, je peux rien faire. Tu n'as rien besoin de plus. Litres en plus. Ils sont toujours arrêtés. Ouais. Le leader est au box. Allez, ils ont encore perdu un tour. Je pense qu'ils repartiront pas, mais bon. Allez, 1-6-898. Parfait, Emeric.
s'ils abandonnent pas, c'est qu'ils peuvent espérer repartir. Donc sinon, à une demi-heure de la fin, il aurait retiré la voiture. Allez, c'est bien. Si tu veux gagner un point en mix pour essayer d'avoir un peu plus de frein moteur, n'hésite pas. T'as gagné. Ah, c'est fait, c'est fait. Nickel. Alors tu as besoin de tourner encore pendant 10 minutes pour savoir si tu repasses devant eux ou pas. Tu as encore 5 tours à patienter pour revenir à leur niveau. Je te tiens au courant du nombre de tours et des écarts. Yep, j'ai 5 litres d'avance. Gère à ta façon, t'es le seul qui peut gérer ta conduite, ton confort et ta consommation. Troisième est également en box. Allez, 2-6, 5-186, c'est excellent. 35 minutes de course. Et nous sommes à 14 tours du leader. On a repris un tour parce qu'il est au box. Ah, je te remets en 5. Pas de problème. Tourne comme ça, on n'a pas besoin de plus. Ils sont à 11 tours, nous sommes à 14. C'est très bien. Pas un arrêt avec 15 litres. Ok, pas de changement de pneus. Non. Tu peux aller beaucoup plus vite et ça me... Même 20 litres. The lead is pitting now. Il y a 20 litres, un changement de tir-off ou pas besoin? Non, pas besoin. Ok, il n'y a que 20 litres. Pas de pneus, rien. Alors devant toi tu as la Ferrari qui est 6ème. C'est en grosse difficulté. Comme beaucoup de monde. Et derrière toi tu as le 3ème qui revient. Ok, je vous explique. Mon but c'est de passer les mecs. Dès lors qu'on a passé, qu'on est dans le même tour qu'eux, le tour d'après je m'arrête. On met les 20 litres et j'envoie. Un tour, tu mets les 20 litres. Je te préviens quand t'as un tour d'avance sur eux, ça te va? Ah c'est ça, dès que je les ai passés en fait, qu'on est dans le même tour. Pas de problème, c'est compris. Ils sont à 12 tours, tu es à 14. Ils sont partis, ils sont partis. Ok, non, je continue alors. Putain, c'est incroyable. Oui, il roule pas droit. Ah.
Ils ont l'air très lents. Ah, ils ont fait juste les obligatoires. Ils sont très lents. 17-101. Why are you sending me a message? Combien de tours de retard? C'est à moins 12, tu as moins 14. Ils sont très 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 lents. Ouais, ils sont très lents. Va au bout. Ouais, pour l'instant, mais j'ai... Il reste 31 minutes de course. Tu tournes en 2-7-2. Il me reste 1 litre 8. De marge? Ouais. Ça va être très compliqué pour eux. Faut me dire en combien de tours hein, autour. Je peux voir ça où? Ils font n'importe quoi. Ils viennent de se faire déposer. Contrôle ta conso et tourne. Contrôle ta conso. 1 litre, c'est suffisant. Je suis monté à 6. Gère comme tu le sens, il n'y a pas de problème. Ils sont arrêtés dans la montée complètement. Ouais. Toujours pas de chrono, je te les donne. Ok, ça remonte, moins litre 9. Je passe même plus la 6 quoi. J'y crois pas du tout hein. Franchement, vu comment ils sont, je suis sûr qu'ils vont se replanter. Je vais de tourner en 2-6-946, c'est parfait. Ah mais je vais tourner moins vite hein. Alors, le verdict de leur chrono. De 23. Tu tournes 20 secondes au tour plus vite. Left side. Still there. Still there. Clear on the left. Thank you.
C5. That's right. Alors, Emmerich, tu peux encore faire 15 tours, 6, et il te reste 13,8 à faire. Ouais, c'est ça. J'ai 2 litres 5 d'avance. Non, 2... Oui, pardon. T'es sûr que c'est pas des tours? Parce que c'est non, fuel to add. Moins 2,5. Okay. C'est frustrant, putain. T'as pas besoin, t'inquiète pas. J'aurais plus d'essence, je pourrais vraiment y aller. J'ai sauvé tout ce que je pouvais. Non, t'inquiète, t'inquiète, c'est pas toi. Je fais vraiment ce que je peux avec le moteur. Très bien, t'es en 2-6, 2-7, il faut pas plus, Emmerich. Tu tournes 15 à 20 secondes plus vite qu'eux. Au tour. Calculez vite fait. Et on a 2 tours de retard. Même pas, ils sont à moins 13, on est à moins 14. Putain. Ne te stresse pas, tout va bien, tu es en maîtrise, tu continues. Ça viendra tout seul. Ils sont dans le premier droit vers la montée de la montagne. Ils sont en 2-20, ils sont pas mieux que 2-20. Donc ils tournent 15 à 20 secondes plus vite.
des dégâts. Ouais. Ils ont encore tapé. Pas méchant, mais... J'ai un léger jeu dans la direction. Tu veux rentrer, mettre 5 litres, ou tu continues? Non, je vais continuer. Oh, ils sont partis en tête à queue. Ils sont en tête à queue dans le troisième secteur. Et ça tape terminé. Ça tape très fort. C'est terminé. Si ça repart, c'est un scandale. Ils freinent. Ouais, je les vois. Ils sont arrêtés au c'est ils sont box. Ok, tu rentres, tu mets 5 litres et tu répares. 10 litres, 10 litres. C'est bon. On est large. Tu as 20 minutes de course, ça fait 10 tours. T'es large. Andy, tu les surveilles? Je les surveille. Je reviens sur Emmerich. Ok. Je remets 10 litres. À 1. 15. Pas de pneus, rien. Non, non, y'a rien. J'ai 4 minutes de réparation. Leur moteur fume. Leur moteur fume. C'est bon. J'ai 4 minutes de réparation. Alors, derrière, ils sont à 18 tours. Ils sont à 18 tours, on est à 14. 2 fois 4, 8, ça fait 8 minutes, donc on aurait 2 tours d'avance sur ceux qui sont derrière. Ok, et devant? Devant, il manque un combien de temps? Un tour, ils sont à moins 13, c'était à moins 14. T'allais leur reprendre un tour, là. Donc si tu ressors devant eux, t'es dans le même tour. Ok. Et vu ce qu'ils viennent de se prendre, s'ils repartent avant toi, c'est qu'il y a vraiment un problème. Allez, calme-toi, tu vas repartir, il va te rester un bon quart d'heure. Tu vas avoir de l'essence, tu vas avoir de quoi jouer avec la voiture. Ne prends pas trop de risques, ne roule pas en 2-4, t'as pas besoin d'aller chercher 2-4. Tu nous fais un 2-7 constant, on termine devant les autres et on peut aller chercher la Mercedes parce qu'elle a de gros problèmes mécaniques. S'ils réparent, c'est qu'ils peuvent repartir avant la fin, mais on est dans le même tour. Maintenant, le leader vient de passer, on est tous les deux à moins 14. Donc ce qui veut dire que si tu ressors devant eux, tu es devant eux. Ok. Ok. Pas de pression, non, pas de panique. On passe devant. Non, non, mais non, c'est bon. S'ils repartent devant nous, c'est pas... ils fument plus déjà, donc... Et t'as du carburant, tu peux y aller à fond. Eux, ils vont quand même tourner moins vite. Même s'ils réparent, ils étaient déjà en 2.20, toi, tu tournes en 2.6. T'as comblé l'écart, tu tournes parfaitement, ne te laisse pas surprendre dans le haut de la montagne. Tu fais un boulot nickel. J'ai tes chronos, c'est du 2.6, 2.6, 2.7, 2.6, 2.6, 2.6. C'est nickel. Okay. Il te reste combien de temps de réparation? 3 minutes. Ok, tu vas repartir exactement à un quart d'heure. Je prends pas de risque, même si je les vois repartir, j'attends. Tu t'en fous, même s'ils repartent, tu seras plus rapide. Ne les prends pas comme référence, tourne face au chrono et face à toi-même. Et au feeling que t'as de la voiture, t'as pas besoin de faire plus. Allez, 2.30. Ils ont changé de pilote ou pas? Non, n'oublie pas le pit limiter. Ah, il est déjà mis. Allez, 2.15. C'est pas grave, t'auras pas tracassé de la voiture de derrière. Ah, ils changent de pilote en face. Ouais. Ou alors ils ont abandonné. Parce que je la vois plus. C'était l'abandon. 2 minutes, non, changement de pilote. Non, non, changement de pilote, ils sont toujours là, ils sont toujours là. Et ils sont repartis. Quoi? Non, c'est pas bon, non, ça. Ils sont nulle part, ils sont plus dans les box. Ah, je les vois en face. Ils ont des pop. Mon mauvais, on se calme. Une 40. Andy, fais gaffe à ton micro. Pourquoi? Je t'entends un peu souffler, je sais pas si c'est toi ou si c'est derrière chez Emmerich, mais... Non, non, c'est pas chez moi. Une 30. Allez, tu vas repartir à un quart d'heure, un petit quart d'heure, cruise, tranquille. Le pneu le plus usé, il est à 85% à l'avant droit. Une minute 10. Putain, j'entends mon cœur battre dans mon oreille. C'est normal, c'est ce qu'on aime. Une minute. T'as bien mis ton limiteur? Ouais.
T'as remis ton mix à 1 ? Ouais, tout est bon. Okay. ID pop. 35. Ouais. À mon avis, ils sont en train de se bagarrer pour savoir qui c'est qui va prendre la fin. 20 secondes. Cinq. Exit clear. Allez mon grand. Toujours au stand ? Toujours. C'est bien, reste prudent, tu tournes bien, attention à pas te faire surprendre, elle s'ouvrira un petit peu, elle est fatiguée. Elle est fraîche, non, elle est fraîche. Les pneus sont froids. Tu dois pas aller chercher les gens devant, tu dois tourner, c'est le principal, et tu fais ce qu'il faut. C'est terminé pour la numéro 7 je pense. Ils sont en gris, je sais pas si c'est l'abandon. Non. Non, c'est toujours qu'ils sont arrêtés. Normalement là tu les as dépassés, si je dis pas trop de bêtises. Oui. Oui. C'est pas fini Emeric, concentré. T'as une voiture devant toi qui est très lente et très endommagée, elle colle pas trop près si elle se dévente. T'as encore 12 minutes. Ok. Allez c'est clear, nickel. Thank you. Thank you. La McLaren est sortie derrière toi, il n'y a plus personne. Cool, cool, cool. Ouh, la 2 n'est pas passée. Ah, t'es arrivé vite, hein. Ah, je la retrouve ma cocotte là. Et en Vmax t'as 260, c'est bien. 264 avant les freins, c'est parfait. On
Normalement on est toujours considéré 8ème mais... Ah moi je vois 7, c'est bon. Ça va se mettre à jour ce tour-ci. Putain, jusqu'au bout ça joue. C'est fait. Soit 17 tours du leader, nous sommes à 16 tours. Tournons 2-6-5, c'est nickel. Allez, t'as 10 minutes. Ils ont eu le même souci que nous. Le déconnecter, reconnecter là. À partout. Thank you.
Allez, il te reste 5 minutes. Ah là, j'assure. J'assure. Je fais plus le chrono ni rien. Je ramène la voiture. C'est parfaitement ce qu'on me demande et tu fais ça très bien. Je n'ai plus rien de la part d'iRacing, mais pas de panique, tout va bien. C'est un freeze comme tout à l'heure. Ah, ok. Bon, moi j'ai plus rien du tout, mais continue. Il reste 10 secondes. Ah, y a un mec qui a mis bien joué, tout le monde a bien roulé. Ah bah moi ça me ferait chier de pas voir que tu passes l'arrivée quand même. 2, 1 et 0. Quel jeu de merde, pardon. Ah non, 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 il reste encore 2 minutes. Hein. Il reste 2 minutes, hein, Andy. 2 minutes. Ah ouais. T'es pas en live. Moi j'ai encore 1 minute 48. Ouais bah moi j'ai plus rien du tout. Encore 1 minute 30. Encore 1 minute. Et le premier, il est derrière moi, donc j'ai encore un tour à faire.
Ça va réussir à revenir? Non. Ah, moi, oh, je suis là. T'occupe pas, roule. 8 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Fini. Je dois finir mon tour et puis... Ouais, bah, je verrai rien. Super, merci Racing. Je suis bloqué, je suis en vue TV, j'ai plus rien du tout. T'as plus personne qui s'affiche, c'est ça? Comme tout à l'heure? Ah ouais, je suis en... comme si la session était vide. Et frisée, plus rien. Oh. C'est un bonheur, hein? Putain. Rappelle-moi combien on paye par mois? Quel service de merde, putain. Chez la Falcon. J'arrive à la chicane. Ah, j'ai été jarté pour niveau insuffisant. Ah putain. Ouais, c'est ta connexion internet qui a planté. Ouais, c'est pas grave. On a encore quelques virages. Et ben j'ai pris mon pied. Monumental. Je suis encore désolé pour le mur, mais... Moi, attends, ce qu'il... Là, je vais passer la ligne, mais il me met... drapeau blanc. Oui, drapeau blanc, c'est-à-dire que tu dois encore faire un tour, c'est-à-dire que le leader a pas fini. Bah il était... Ah bon bah on est reparti. T'as peut-être moyen, Andy, de filer la manip. Non, non, roule, Osef. Ah mais là, c'est fini, de toute façon le mec devant il ralentit, moi aussi. Tu dois quitter ou pas la session? Andy. Non, non, non. Explique-moi vite fait. Je vous ai déplacé. Ça va prendre trop de temps. Il faut que tu... faut que t'ailles dans... Enfin, faut que tu fasses contrôle à le sup. Que tu cherches iRacing Service Helper ou Helper Service. Pas ça en course. T'es dans le dernier tour? Ouais. Je vais arriver à Falcon. Y'a tout le monde qui se suce la bite. Bah là c'est les survivants de Koh-Lanta mec. J'avoue. Mec, l'objectif c'est de finir, et ben on a réussi. Bravo à vous. Bravo à Max. Bravo à vous. Allez, je me suis éclaté. Et c'est la ligne d'arrivée. Bien joué les gars. Oh. Nice. Vous êtes tous des bons conducteurs le mec il a mis. Bien joué les gars. Bien joué. On était oh. Jusqu'au bout. Oh. Putain, j'ai 18-8. Est-ce qu'on peut quitter la session ou ça va planter? Je me reconnais. Non, on peut quitter.